We've read from this article before. Donc on a déjà lu de cet article. This is Joseph Bates' pamphlet. Donc c'est le pamphlet, le magazine de Joseph Bates. Second Advent Weymouth and High Heaps. Donc bah voilà les balises du second avènement et les principaux événements. The fifth Weymouth. La cinquième balise. Le chapitre 10. He has 10 waymarks. It's the fifth one. Donc il a dans ce chapitre il a 10 balises et là c'est la cinquième. As I say, we've already read this. It's page 72. Donc c'est la page 72. And the only reason we're reading this. La seule raison pour laquelle nous le lisons. Is to demonstrate the tarrying time. C'est pour démontrer le temps d'attente. So you got it. Donc en c'est dans les écrits des pionniers, c'est BP 2. Page 72. We'll go up to there. À minuit, un cri fut élevé. L'époux vient, sortait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Nous avons déjà montré que le temps d'attente pour l'époux, par les périodes prophétiques, était de 6 mois. Commençant le 19 avril jusqu'au 22 octobre 1844. Do it in English, please. So it's BP 2, page 72. At midnight, a cry was raised. The bridegroom is coming. Go ye out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. We have already shown that the tarrying time for the bridegroom by the prophetic periods was 6 months, beginning the 19th of April, down to the 22nd of October, 1844. Then we'll go to Loughborough's work. Ensuite, nous allons aller au travail de Loughborough. The great Second Advent movement, its rise and progress. Donc le grand mouvement adventiste, sa montée et son progrès. Page 162. GSAM 162. She'll give it in English in a second. Donc en français, GSAM 162.1, enfin c'est en anglais de toute façon. Combien de temps dure le temps d'attente? Une demi-année. Comment le savons-nous? Parce que notre Seigneur a dit à minuit, lorsque l'époux tardait. La vision devait durer 2300 soirs et matins, ou jours. Un soir ou une nuit est la moitié de l'un de ces jours prophétiques et est par conséquent 6 mois. C'est toute la durée du temps d'attente. So in English it's GSAM 162.1. I'll read in English. Yeah, up to tarrying time. Okay. How long is the tarrying time? Half a year. How do you know? Because our Lord says, at midnight, while the bridegroom tarried. The vision was for 2300 evening mornings or days. An evening or night is half of one of those prophetic days and is therefore 6 months. That is the whole length of the tarrying time. The present strong cry of time commenced about the middle of July and has spread with great rapidity and power and is attended with a demonstration of the Spirit such as I never witnessed when the cry was 1843. Le cri du temps qui est maintenant fort commença à peu près au milieu de juillet et s'est répandu avec une grande rapidité et une grande puissance et est accompagné d'une démonstration de l'esprit telle que je n'avais jamais témoigné lorsque le cri était 1843. So this last sentence, cette dernière phrase, tells us that this is the second cry that they've made. The first one was 1843. And now this cry is 1844. Nous dit que là c'est le second cri. Le premier c'était 1843 et maintenant c'est 1844. Everybody can see that? Tout le monde peut voir cela? Next one is from again John Loughborough. Le suivant donc c'est de nouveau de John Loughborough. This is his book Last Day Tokens. Donc c'est son livre, les signes des derniers temps. And we'll give you the coding
It's page 169, paragraph 1. 169, paragraphe 1. So do English and French? Yeah, do the whole paragraph. Combien de temps dure le temps d'attente? Donc c'est LDT 169.1. Combien de temps dure le temps d'attente? Une demi-année. Comment le savez-vous? Parce que notre Seigneur dit à minuit quand l'époux tardait. La vision durait 2300 soirs et matins ou jours. Un soir ou une nuit est la moitié de l'un de ces jours prophétiques et est par conséquent 6 mois. C'est toute la longueur du temps d'attente. Le présent cri du temps qui est fort a commencé vers le milieu de juillet et s'est répandu avec une grande rapidité et puissance. So it's LDT 169.1. LDT 169.1. How long is the tearing time? Half a year. How do you know? Because our Lord says at midnight while the bridegroom tarried. The vision was for 2300 evening mornings or days. An evening or night is half of one of those prophetic days, and is therefore 6 months. That is the whole length of the tearing time. The present strong cry commenced about the middle of July and has spread with great rapidity and power. So we'll read the next two sentences of the next paragraph. Donc on va lire les deux premières phrases du paragraphe suivant. The whole of the next paragraph. On va lire tout le paragraphe suivant, donc 169.2. Dans le même article du cri de minuit, nous lisons « Mais comment cela se fait-il ? Mais comment sommes-nous entrés dans cette nuit d'attente ? Parce que nous avons commencé la vision des 2300 jours au printemps au lieu de l'automne 457. Nous avons donc échoué à atteindre les six mois et quelques jours destinés à être la fin. Cela nous a jetés dans le temps d'attente. » La nuit d'attente pendant 6 mois. In the same article in the Midnight Cry we read, but how came we into this tearing time? Because we commenced the vision of the 2300 days in the spring instead of in the fall, 457 BC. We fell short of reaching the destined port 6 months and a few days over. It threw us into the tearing night 6 months. So we're reading these passages because we were talking about the parable of the 10 virgins in our last class. Donc nous lisons ces passages parce que nous avons parlé la parabole des 10 vierges dans notre dernière classe. And hopefully we've seen now. Et j'espère que nous avons vu maintenant that there's various ways of approaching this parable. Qu'il y a différentes manières d'aborder cette parabole. And depending on your approach, you come up with different answers. Et tout dépend de votre approche, cela vous donnera des réponses différentes. So you can see that we have one approach that has the bridegroom coming in August and one in October. Donc, vous voyez, il y a deux approches où l'époux vient en août et l'époux vient en octobre. We'll read one more. On va en lire un autre. This is from James White. Ça vient de James White. It's called Life Incidents. Incidents de vie. And it's written in 1868. Écrit en 1868. Mm-hmm. The whole paragraph. L-I-F-I-N. 165.5. L-I-F-I-N. So it's L-I-F-I-N. 165.5. So the whole paragraph. Mm-hmm. Alors, le cri à minuit dans la parabole, « Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre », représentait le message solennel du dixième jour du septième mois. Du temps du dixième jour du septième mois, 1844, déjà entendu. Il fut suggéré que la nuit d'attente dans la parabole représentait la moitié de ces jours prophétiques, des jours prophétiques, ou 6 mois, s'étendant du passage du temps au printemps, jusqu'au septième mois en automne, et qu'alors l'œuvre présente de se réveiller sous le cri « Comme voici l'époux vient, sortez à sa rencontre » commença en juillet, au milieu du temps d'attente ou à minuit. So the cry at midnight in the parable, « Behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him » represented the solemn message of the 10th day of the 7th month time, 1844, already being heard. It was suggested that the night of tarry in the parable represented half of the prophetic day, or 6 months.
extending from the passing of the time in the spring to the seventh month in the fall, and that the then present work of waking up under the cry, Behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him, commence in July, in the middle of the tearing time, or at midnight. Is that what you're reading? Yeah. So, whether you go back to 1844, donc soit qu'on retourne encore 1844, or 1868, qu'on retourne en 1844 ou 68, which is 24 years later, they have a consistent perspective. 24 ans après, ils ont une perspective cohérente et qui reste la même. That the tarrying time is 6 months. Que le temps d'attente, c'est 6 mois. You can see that the logic is consistently the same. On peut voir que la logique est toujours la même. They've got this 6 month period and we've described how they calculate that. Donc nous avons cette période de 6 mois, on a calculé, on a vu comment est-ce qu'on la calcule. And we know that something happens midway in July. Et on sait que quelque chose se passe au milieu en juillet. So the 6 months is divided into two portions. Donc les 6 mois sont divisés en deux parties. And they're saying all of this is the tarrying time. Et ils disent que tout cela c'est le temps d'attente. Sister Muriel. Muriel. What are they doing in those two parts of the tarrying time? Qu'est-ce qu'ils font dans ces deux parties du temps d'attente? In the second part, they have the correct understanding of October 22nd. I want you to give it really simply. Je veux que tu donnes très simplement. With the language of the parable. Avec le langage de la parabole. Dans le langage. À partir de juillet. From July. Quand juillet c'est minuit, donc ils vont à la rencontre de l'époux. Since July is midnight, then they go to the they go out to meet the bridegroom. They give the cry to go to the house of the bridegroom. Okay, so the parable says someone else is going to give the cry. La parabole dit que quelqu'un d'autre va donner le cri. We already know that it we can already develop an argument to say that it is the virgins. On peut déjà développer un argument pour dire que ce sont les vierges. So, are you saying that they go out? Donc, est-ce que tu dis qu'elles sortent? À minuit, elles disent, voici l'époux vient. At midnight, they say, behold, the bridegroom cometh. Yep. Oui. Mm-hmm. Donc, ça c'est pour la deuxième partie. So that's for the second part? No. No. I want to know what they're doing for 3 months. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font pendant 3 mois. Let's do the easy one. On va faire le facile. What they're doing here? Ils font quoi là? Sister Sophie. Sophie. Ils dorment. Okay, so this one is sleeping. Donc là, c'est dormir. Are you okay with that, Sister Muriel? T'es d'accord avec ça, Muriel? What are they doing for the next 3 months? Et pendant les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'ils font? They wake up. They wake up here. Ils se réveillent là. They trim their lamps to go to the to meet the bridegroom. For how long? Pendant combien de temps? Sister Sophie. Sophie. Mm-hmm. Parlons des trim their lamps ou des
Pendant combien de temps préparent-ils leur lampe ou donnent-ils le cri? They're not given the cry. Someone else is given the cry to them. They've woken up. Ils ne donnent pas le cri. Quelqu'un l'a donné pour eux. Ils se réveillent. Elles se réveillent. So what are they doing for these 3 months? Donc pendant les 3 prochains mois, elles font quoi? Elles se préparent. How do you prepare yourself? Comment est-ce que tu te prépares? Keep it a parable. Regarde-le dans le terme de la parabole. Elles préparent leur lampe. So they spend 3 months sleeping and 3 months trimming. Donc elles passent 3 mois à dormir et 3 mois à préparer. Once they've trimmed their lamps. Une fois qu'elles ont préparé leur lampe. Fill them with oil, lit them. Sorry. They fill their lamps, lit them. Donc ils remplissent leur lampe, ils les allument, elles les allument. Then they would go to meet him. Alors elles iraient le rencontrer. Meet the procession. Rencontrer la procession. Because if they went to meet him here. Parce que s'ils devaient le rencontrer ici. If he arrived. S'il était arrivé. Would they be waiting? Est-ce qu'elles attendraient? Sister Muriel. Muriel. No. Puisqu'elles dorment. Because they are sleeping. No, they've woken up here. Non, là, ils se réveillent. If he had arrived here, s'il était arrivé ici, would they be tarrying any longer? Est-ce qu'elles attendraient encore? Or would the tarrying have been finished? Ou est-ce que le temps d'attente serait terminé? Le temps d'attente serait fini. It would be finished. It'd be finished. Ce serait terminé. So he'd arrived at the bride's house. Donc il est arrivé à la maison de l'épouse. And then what? Et ensuite quoi? They would have done what? Elles auraient fait quoi? When he's arrived. Quand il est arrivé, elles partent avec l'époux. When he arrives, they leave with the bridegroom. And what would they would have? The virgins. Les vierges seraient. And then the procession would have begun. Et ensuite la procession aurait commencé. So there was no tarrying there. Donc il n'y a plus d'attente alors. And that's what's being shown here. Mais c'est ce qui est montré ici. They would have woken up. I know it says August, but July and August, I want to keep them as a singular point. Donc là, je sais qu'il est dit août, mais juillet et août, je veux les garder comme un point singulier. Because the Millerites don't understand midnight and midnight cry. Parce they just think it's one point. Les Millerites ne comprennent pas minuit et cri de minuit. Ils pensent que c'est un seul That's point. That's why we did this here. C'est pour ça que nous avons fait cela ici. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec ça? We understand August, they don't. Nous comprenons août, non eux non. So we have to stick to how they see it. They're a singular point. Donc nous devons rester là où ils le comprennent. Un point singulier. So if he had arrived in July, they would have then moved into the procession phase. Donc s'il était arrivé en juillet, eh bien alors il aurait été dans la phase de la procession. And you would have had a 3 month tarrying time. Et il y aurait eu un temps d'attente de 3 mois. But they say they've got a 6 month tarrying time. Mais ils disent qu'ils ont un temps d'attente de 6 mois. We've read that consistently. On l'a lu ça de plusieurs fois. Which means that he hasn't arrived yet. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé. So he's going to arrive at the bride's house where? Qu'il va arriver à la maison d'épouse où, quand? October. Just here. Ici. Where it was where we put it the other day. Là où on l'a mis l'autre jour. So remember, it's not to say that that is the correct answer. Souvenez-vous, ce n'est pas pour dire que cela c'est la réponse correcte. Exclusively. Uniquement. Because we've just seen that is the correct answer. Parce qu'on vient de voir que c'est la réponse correcte. But. Mais. When we use those other lines, mais lorsqu'on utilise ces autres lignes, that the Millerites are not aware of, dont les Millerites ne connaissent pas, and we're now going to switch from July to August, et que maintenant on passe de juillet en août, how do we switch from July to August? Comment est-ce qu'on passe de juillet en août? How did we do it? Comment est-ce qu'on l'a fait? Ezra. Ezra, someone else said. Quelqu'un d'autre a dit? Ezra, that we said. We began with Ezra, but with the picture, it wasn't Ezra. On a commencé avec Esdras, mais là, l'image, c'était pas Esdras. Sorry? We made a separation between midnight and the cry. What story did we go to? On a été dans quelle histoire? We went to Noah's story. On a été dans l'histoire de Noé. Because Noah's story gives us what? Parce que l'histoire de Noé nous donne quoi? Besides the structure. À part la structure. Gives us a procession. La procession. We went to Noah's story because if we'd gone to Ezra, we would have got the structure, but not a procession. Si on était allé dans Esdras, on aurait eu la structure, mais pas la procession. So we went to Noah. Donc on a été dans l'histoire de Noé. And we saw a procession there. Et là, on a vu une procession. And so that means. Donc ça veut dire. This model is showing us.
que ce modèle nous montre. There's a procession going on here. Qu'il y a une procession ici. In this history. Dans cette histoire. So we've got to deal with both models. Donc il faut qu'on joue avec les deux modèles. And that teaches us. Et cela nous enseigne. That there's various ways, even in the Millerite line, to understand the parable of the ten virgins. It's not a singular concept. Qu'il y a différentes manières de voir la parabole des dix vierges, même dans l'histoire des Millerites, ce n'est pas un concept unique. So that's what I want us to go away with. Donc je veux qu'on parte avec ça en tête. Which is essentially the conclusion of what we were discussing in our last class. Ça nous donne la conclusion de ce qu'on a vu dans notre dernière classe. That there's not a singular way to make application of that parable. Il n'y a pas une seule manière de faire des applications de cette parabole. Is everybody okay with that? Tout le monde est OK avec ça? Yeah? Oui. So let's just, I think there's one more that I want to see. Je pense qu'il y a encore une autre que je veux voir. Before we move on, let's go back to James White's statement in 165. Avant de continuer, on va reprendre donc dans la citation de James White, 165.5. I think second sentence, it. La deuxième phrase. Mark that in French. It was suggested. Il a été suggéré. So it was suggested that the night of tarrying in the parable represented half of the prophetic day, or 6 months, extending from the passing of the time, April, to the seventh month, October, and that the then present work of waking up under the cry, behold the bridegroom cometh, go you out to meet him, commenced in July in the middle of the tarrying time or at midnight. Alors, il fut suggéré que la nuit d'attente dans la parabole représentait la moitié du jour prophétique, ou 6 mois, s'étendant du passage du temps en avril au 7e mois, en octobre, et que l'œuvre présente de se réveiller sous le cri « Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre » commença en juillet, au milieu du temps d'attente ou à minuit. What I want us to see, ce que je veux que nous voyons, if we didn't know Millerite history, si on ne connaissait pas l'histoire millérite, and we were reading this parable, et que l'on lisait cette parabole, we probably would have developed the argument that the tarrying time was only 3 months. On aurait peut-être développé l'argument que le temps d'attente ne durait que 3 mois. We agree with that? On est d'accord avec ça? Because they woke up at midnight. Parce qu'elles se sont réveillées à minuit. And remember, this is a night procession. Et souvenez-vous, c'est une procession de nuit. So, if you're going to do 6 months. Donc, si vous devez faire 6 mois. This is sunrise. Là, c'est le lever du soleil. That's their logic, isn't it? C'est leur logique, n'est-ce pas? Sunset to sunrise. Le coucher du soleil au lever du soleil. So, if they've got all the way to October and it's sunrise, you don't need lamps. Donc, si on arrive jusqu'en octobre et que donc on n'a pas besoin de lampe. So just a plain reading. Donc c'est lever du soleil. Donc juste une lecture claire. I think would have given us a 3 month tarrying time. Nous aurait donné une période d'attente de 3 mois. Can we see that? On peut voir ça? Because their argument. Parce que leur argument. Like it's obviously 6 months. To me, it's not obvious. Le disant que finalement c'est 6 mois, bien sûr, c'est pas aussi clair que ça. I mean, just reading their logic seems to me not very logical. En lisant leur logique, ça n'a pas l'air très logique. Because they say it like it's they've proved it. Parce qu'ils le disent comme s'ils l'avaient prouvé. Half a day is 6 months. La moitié d'un jour, c'est 6 mois. Is 6 p.m. to 6 a.m. and that's the tarrying time. Like it's obvious. It's not, I don't think. De 18h à 6h du matin, comme si c'était clair, mais ça ne l'est pas, je pense pas. But it's obvious for them. Mais c'est clair pour eux. Because in their mind, and they don't explicitly state it. Parce que dans leur esprit, et ils ne le déclarent pas directement. That the coming of the bridegroom to the bride's house. Que la venue de l'époux à la maison de l'épouse. Is what? C'est quoi? What event is that? C'est quel événement? It's the second advent. C'est le deuxième événement. Yeah, it's the second advent. And he hasn't come in August. Il n'est pas venu en août. It's obvious he hasn't come because he's not there. C'est clair qu'il n'est pas venu parce qu'il n'est pas là. And they know he's going to cleanse the sanctuary, cleanse the earth in October. Et ils savent qu'il va purifier le sanctuaire, la terre, en octobre. Do you say the groom coming to the bride's house? Is that coming? Yes. The bride going to
Donc, est-ce que tu dis que c'est l'époux qui vient à la maison de l'épouse, hein, qui est la seconde venue? Oui. Remember, they're a bit hazy on everything. Souviens-toi, ils sont un peu hazy. They're not. Ils ne sont pas clairs ou ils ne sont not pas precise. Ils ne sont pas précis sur les choses. They don't explicitly state that. Ils ne le disent pas explicitement. But if they've got 6 months tarrying, mais s'ils ont un temps d'attente de 6 mois, that means the bridegroom hasn't come. Ça veut dire que l'époux n'est pas venu. And they call, the call to say the bridegroom's coming is his coming to her house. That's et what the call is. L'appel, l'appel à venir, eh bien, c'est pour qu'il vienne à sa maison. C'est ça l'appel. You agree with that? Tu es d'accord avec ça? Yes? Oui. Okay, so let's go to another story. Donc on va dans une autre histoire. The story of Christ. Celle de Christ. Which is this procession. Qui est cette procession. Let's not worry where that happens. Peu importe où est-ce que ça s'est passé. Because where it happens brings it out of sync with what we're teaching, yes? Parce que là où ça s'est passé, ça l'amène pas en accord avec là ce qu'on prêche. Because now you're going to have the procession here. Parce que maintenant on va avoir la procession ici. If you did that. Si on le faisait. So let's keep, let's not put it into a structure, but just think of the concept. Donc on va pas mettre en structure, mais pensons au concept. Does that make sense so far? Ça a du sens jusque là? Okay, so he begins in Bethany. Il commence à Bethany. And if we went to Revelation 19. Et si on allait dans Apocalypse 19? Who's the bride? C'est qui l'épouse? Everybody okay with that? Jérusalem, tout le monde est d'accord avec ça? Not sure. Where are we going to go? 21.2. We'll go to 21.2. 21.2. 19. Ou 19. 19.7. 19.7. It talks about the bride, 7 and 8. Il est parlé de l'épouse, 7 et 8. And we're going to go to 21. On va aller à 21. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Alors, j'y étais pas en français, du coup, Apocalypse 21. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée, parée pour son mari. Are you okay with that, Sister Brittany? Okay, so Christ is going from Bethany to Jerusalem. Donc Christ va de Bethany à Jérusalem. And what are they crying? Et écrit quoi? Oh, you got to speak a little bit louder. Hosanna. Hosanna. Je me souviens pas. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. So, blessed he that cometh. Béni est celui qui vient. Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient. Where's Christ going to? Jerusalem. Christ va où? À Jérusalem. Jerusalem is his bride. Jérusalem, c'est son épouse. And he's riding from Bethany to Jerusalem. Et il va de Bethany à Jérusalem. And the cry is made, behold, the bridegroom. Who are they calling to? Et le cri est fait, voici l'époux vient. Le cri, il crie à qui? When they say that. Lorsqu'ils disent cela. To Jerusalem. À Jérusalem. You are arguing the people who live in Jerusalem, but they cry to Jerusalem, behold, the son of David is coming. On pourrait argumenter aux personnes de Jérusalem, mais ils crient à Jérusalem, voici le fils de David vient. Brother Eric. Eric. What's he coming to do? Il vient pour faire quoi? According to their thinking. Selon leur pensée. When Jesus goes to Jerusalem, what did they think he's coming to do? Lorsque Jésus va à Jérusalem, il pense qu'il est venu pour quoi? To establish his kingdom. To establish his kingdom. Établir son royaume. Because he's the son of David. Parce qu'il est le fils de David. And he's riding a donkey. Et il est sur un âne. So he's going to announce himself as king. Donc il va s'annoncer comme roi. And he's going to take residence in the sanctuary. Et il va résider dans le sanctuaire.
So the cry is that he's going to the bride's house. Donc le cri c'est qu'il va à la maison de l'épouse. Are we okay with that? On est d'accord avec ça? And the sanctuary. Et le sanctuaire. The temple. Le temple. Is where? C'est où? For the Millerites. Pour les Millerites. On the earth. Sur la terre. So he's coming to the earth. Donc il vient à la terre. And all the people who are queuing up. Et toutes les personnes font la queue. Know that he's coming. Et qui s'accumulent savent qu'il vient. But that's not the procession that we normally think about. Mais ce n'est pas la procession à laquelle nous pensons généralement. Because we end up thinking about the procession from her house to his house. Parce que souvent on pense de la procession de sa maison à la maison du mari. Which is the one that the brides, sorry, the virgins join in with. Dans lequel auquel les vierges participent. This one, this is the one we normally sort of focus on. Non, mais on se concentre sur celui-là. But the one that's behold the bridegroom cometh is this one. Mais celui qui est voici l'époux vient, c'est celui-là. So I'm saying this is the second advent. Donc je dis que ça c'est la seconde venue. Is that okay? C'est bon? Donc, est-ce que ça voudrait dire que la seconde venue, c'est avant le jour des expiations? Oh, is the day of atonement. Non, c'est le jour des expiations. Because they've got everything upside down, remember? Parce que tout est à l'envers, souvenez-vous. He's coming in October. Il vient en octobre. October is Daniel 8:14. Octobre, c'est Daniel 8:14. We've got to remember they're wrong. On doit se souvenir qu'ils ont tort. But we need to understand their logic. Mais nous devons comprendre leur logique. A similar question. That's why I asked my original question because I don't remember. J'avais une question originale parce que c'est pour ça que j'ai posé ma première question. I don't remember what was said or how it was worded, but it sounded like we were placing the waking up at the same time that the groom comes to the bride's house. Parce que je me souviens, ça a peut-être été dit que on plaçait le réveil au même moment où l'époux arrive à la maison de l'épouse. I don't know if that's what was said, but somehow I got that idea from what was said earlier. Je ne sais pas si c'est ce qui a été dit, mais j'ai ça dans ma tête par rapport à ce qui a été dit avant. We did that. On a fait ça. Because we're marking processions there. Parce que là, on marque les processions. The procession of the animals. La procession des animaux. Reverdy. Even Sister White said this. Et même Ellen White le dit. Says what? Like when they wake up here, he is already at the bride's house. Que lorsqu'il elle se réveille, il est déjà à la maison de l'épouse. All I'm trying to show is that the parable has to be approached in different contexts. Tout ce que j'essaie de montrer, c'est que la parabole doit être abordée d'après différents concepts. It's not to say that one's wrong or one's correct. C'est pas pour dire que l'un est tort, l'un est bon, l'autre est mauvais. You know, they're preaching the tarrying time is 6 months. Is that even true? Ils prêchent que le temps d'attente c'est 6 mois. Est-ce que c'est vrai même, en réalité? Of course it's not. Bien sûr que non. They're tarrying 100 and something years now. Et maintenant ils tardent pour des centaines d'années. But we need to understand the applications that they're making. Mais nous devons comprendre les applications qu'ils font. So that when we start trying to get that parable and apply it to our history, we do it in at least some kind of systematic way. Pour que lorsque nous prenons cette parabole et essayons de l'appliquer dans notre histoire, nous puissions le faire au moins dans une certaine manière systématique. And for me, et pour moi, the more we can understand their methodology, their thinking, even if it's wrong, plus on peut comprendre leur méthodologie, leur pensée, même si c'est faux, it helps us to understand why we come up with whatever applications we come up with. Cela nous aide à comprendre pourquoi est-ce que nous arrivons avec les applications que nous avons. It's not so much to go into their history and say they were wrong here and they were right. It's to see how did they develop their thinking. Ce n'est pas tant pour aller dans leur histoire et dire ils avaient tort ici, raison ici, mais pour voir leur pensée. Because I don't think any of us would really imagine a 3 month trimming. Parce que je ne pense pas que nous imaginerions vraiment une préparation de 3 mois des lampes. It just seems weird. Ça a l'air bizarre. Certainly not in agreement with the parable. C'est certainement pas en accord avec la parabole. Because they've just made that 6 a.m. Parce qu'ils ont fait de ça 6 heures du matin. And the parable doesn't teach that. Et la parabole n'enseigne pas cela.
Any comments or questions? Commentaires ou questions? C'est Stéphanie? Tiffany? Ok. C'est bon? Okay, we've seen that they had two cries. We saw that. Donc on a vu qu'ils avaient deux cris. And we've read that one. Okay, so I think I'm about done to show that the tarrying time is 6 months. There's so much evidence for that. Donc je pense que j'ai à peu près fini pour montrer que le temps d'attente c'est 6 mois. Il y a tellement de preuves pour cela. Which means they have 3 months of sleep. 3 months of trimming. C'est-à-dire qu'ils ont 3 mois d'attente et 3 mois de préparation. I think that's important to understand because it can change the way you conceptualize Millerite history. Je pense que c'est important à comprendre parce que ça peut changer la manière dont on conceptualise l'histoire des Millerites. Because I'm pretty sure all of us agreed it was a 6 month tarrying time. Parce que je suis sûr que la plupart d'entre nous sommes d'accord que c'est un temps d'attente de 6 mois. But I don't think we would have realized how it's structured and the implications of that. Mais je ne pense pas que nous aurions compris comment est-ce que c'est structuré et les implications de cela. Any questions? Est-ce qu'il y a n'importe quelle question? Comments. Commentaires. There's something that comes up to my mind. Quand Jésus arrive. Can you just speak a little bit louder, because it doesn't pick up. Quand Jésus arrive dans le lieu très saint. When Jesus arrives in the most holy place, il dit, attendez ici, je vais vers mon père recevoir le royaume. He say, wait here, I will go to my father to receive the kingdom. C'est comme s'il était allé vers le père, mais pour recevoir l'épouse. It's like if he went to the father, but to receive the bride. Et qu'après il y a le message qui va dire qu'il faut suivre l'époux, le rejoindre par la foi dans le lieu très saint. And then there is this message that says we have to follow Christ, the bridegroom, follow Christ into the most holy place. Et que quand Christ quitte le lieu très saint, c'est la porte fermée. And when Christ leaves the most holy place, it's the shut door. Est-ce que ça se tient? Does it fit? Parce que si Paul dit que la Jérusalem céleste, c'est notre mère, ça correspond aussi à l'Église, en fait. Because, qui dit ça, j'ai oublié. Paul says that Jerusalem is our mother, so it would be the church, it would fit. C'est comme s'il était arrivé vers le père de l'épouse et qu'il lui demande de ça. It's like if he went to the father of the bride asking him her hand. So you're marking October 22nd. Donc tu marques le 22 octobre. He meets his bride. Il rencontre son épouse. And then you get the ministration in the most holy place. Ensuite on a le ministère dans le lieu très saint. And when he leaves. Et quand il part. The most holy place. Le lieu très saint. That's the shut door. C'est ça la porte fermée. Is that what you said? Est-ce que c'est ce que tu as dit? I think that fits. Je pense que ça colle, enfin ça marche. But again, it's not how obviously the Millerites don't approach it that way. Bien sûr, les Millerites ne l'ont pas abordé comme ça. And I think that's pretty much how we approach it, isn't it? Et je pense que c'est pas mal de cette manière dont on l'aborde, n'est-ce pas? Because or not. Ou pas. Without reading it, I'd only be pulling back on my memory. When he comes out of the most holy place. Donc, sans le lire, je veux pas que je bien que ça soit dans ma mémoire. The marriage has been consummated, has it not? When he leaves the most holy place. Lorsqu'il quitte le lieu très saint, le mariage a été consommé, n'est-ce pas? Because the marriage happens in heaven while we're here on earth. Parce que le mariage se passe au ciel alors que nous sommes ici sur terre. So it seems right, but I guess we'd have to check the passages and just lay it out carefully. Donc je pense que c'est correct, mais je pense qu'il faudrait reprendre les passages et les poser correctement avec soin. One
point on this. Un point là-dessus. He begins the investigation. Il commence l'investigation. October 22nd. Le 22 octobre. We all agree with that? On est tous d'accord avec ça? And there's this shut door. Et il y a cette porte fermée. And who's not allowed in? Et qui n'est pas autorisé à entrer? The five foolish virgins are not allowed in. Les cinq vierges folles ne sont pas autorisées à entrer. But if we went back three chapters, mais si on retourne trois chapitres avant, to Matthew 22, à Matthieu 22, are the foolish virgins allowed in then? Est-ce que alors les vierges folles sont permises dans, sont autorisées à entrer? They're not identified as foolish. They're identified the man without a wedding garment. Ne sont pas autorisées, ils sont pas identifiés comme étant les vierges folles, mais comme étant l'homme qui n'a pas le vêtement. Who's he? C'est, il est qui? Qui est-il? Three? Okay, so who's the man without who's the man without a wedding garment? Qui est l'homme qui n'a pas le vêtement de noces? Who's the man without a garment? C'est qui l'homme sans vêtement? Laodicea. Laodicea. So you know he's a Laodicean. Donc on sait qu'il est un Laodicéen. And he's coming into that marriage the same time as someone else is. Et il vient au même moment à ce mariage qu'un autre. Il y a deux groupes. So you know that whenever that work is happening. Donc on sait que lorsque cette œuvre arrive. There are two groups who are alive at the same time. Il y a deux groupes qui sont vivants au même moment. So I don't know if we'd see him as a foolish virgin. Donc je ne sais pas si on le considérerait comme une vierge folle. But to me it just shows you that the parables don't run sequentially. Mais pour moi cela me montre que les paraboles ne sont pas ne fonctionnent pas de manière séquentielle. And they have the flexibility to place them as we see fit in a particular framework. Et nous avons la liberté de pouvoir les placer comme nous le sommes comme il nous semble bon dans le cadre. And you may or may not be aware, but people say you're not allowed to do that. Peut-être que vous en êtes conscient ou pas, mais les gens disent qu'on n'a pas le droit de le faire. My argument is that we are allowed to. Et mon argument, c'est que nous avons le droit. Because that's what Ellen White does, that's what the New Testament writers do. It's consistent. Parce que c'est ce qu'Ellen White fait, c'est ce que les écrivains du Nouveau Testament font. Any comments on that? Commentaires là-dessus? Donc où est-ce qu'on placerait ces deux paraboles? Matthew 22. Matthieu 22. You placed October 22nd. On place. For me, it's a clear indication of the investigative judgment. Le 22 octobre, c'est une indication claire du jugement investigatif. Okay. And for our line. Et pour notre ligne. Who's our? C'est qui notre? Us. Nous. Ok, let's say the 144,000. Les 144,000. C'est Tiffany. Tiffany. It's been a hard week. Ça a été une semaine dure. Yeah. Sister Brittany. Sister Julie. Matthew 22, where do you place it on our line? Matthieu 22. On the line 144,000. This line here. Tu le places où sur la ligne des 144,000, cette ligne ici? Loi du dimanche? Sunday long. So it's just right here. Donc ici. Sunday long. With that? Tu es d'accord avec ça? Question. Where do we? Elle veut savoir c'est quoi la question? The investigative judgment, Matthew 22, October 22nd, 1844. Le jugement investigatif, Matthieu 22, le 22 octobre 1844. It goes from the dead to the living. Passe des morts aux vivants. So his question was, when does it go to the? Where he says, where is it in our line? Il a dit, c'est où dans notre ligne? He didn't quite say where does it switch from dead to living. Il a pas dit exactement quand est-ce que ça passe des morts aux vivants. But I said, well, who's us? Mais he j'ai says dit, 144,000. C'est qui nous? Et c'est les 144 000, il a dit. And
It's there at Sunday. I think, in fact, you put it there. Mais je crois que c'est toi qui l'as mis là, la loi du dimanche. So, Sunday law. Donc, loi du dimanche. Any questions? Question? Sorry? Oui, j'ai une question. Pas par rapport à ça. Je veux être sûre d'avoir compris quelque chose que je pense que tu as dit. Donc Christ est dans le sanctuaire et fait le jugement investigatif. October 22nd. Le 22 octobre. And then he comes out of the sanctuary, comes out of the most holy place. Ensuite, il sort du lieu très saint. And there is the shut door. Et là, il y a la porte fermée. How does that work? Comment est-ce que ça fonctionne? So the investigative judgment and the shut door happen on the same day. Donc le jugement investigatif et la porte fermée se passent le même jour? Or am I misunderstanding something? Ou est-ce que je comprends mal quelque chose? The investigative judgment and the shut door happen on the same day, yeah. Le jugement investigatif et la porte fermée se passent le même jour, oui. In the original, it's all one day. Dans l'original, c'est tout un jour. But that's not your question. Because there's a long discussion with Ellen White and other Adventists. Parce qu'il y a une longue discussion entre Ellen White et d'autres Adventistes. Over a one-day investigative judgment. Sur un jugement investigatif d'un jour. Extended or prolonged, I can't remember her wording for it, but it was happening. Une période prolongée, étendue. Je me souviens plus de ces mots, mais ça s'étendait. Even during, I mean, throughout her existence, her lifetime. Tout durant son existence. I'm not familiar with that conversation. Je ne suis pas familier avec cette conversation. I wasn't there. J'étais pas là. I'm not sure what your question is. Je ne suis pas sûre c'est quoi ta question. I guess in my understanding of how we have understood. Je pense dans ma compréhension de la manière dont nous avions compris. The investigative judgment in connection with the shut door. Le jugement investigatif en lien avec la porte fermée. Where did you get the shut door from? D'où est-ce que tu prends la porte fermée? That the door that shut is to the holy place. Que la porte qui se ferme, c'est celle du lieu saint. Okay, so we put, there's a shut door there. Donc là, il y a une porte fermée, le 22 octobre. Marking. Qui marque? Rosemary said something. It's okay. Rosemary a dit quelque chose. Vas-y, je te demande. It's marking the investigative judgment. The beginning of the investigative judgment. Ça marque le début du jugement investigatif. Then we get that October 22nd. Et ensuite, 22 octobre. And we put it where? On le prend et on le met où? Sister Manuela, where do we put that October 22nd in our line? Manuela, où est-ce qu'on place le 22 octobre dans notre ligne? Raphael? And for the line of priests. Any other answers? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce que ce n'est pas la loi du dimanche là où on met le jugement investigatif? So you're saying 2014? Donc tu dis 2014? I'm not saying it. Je ne le dis pas. So you just did Sunday law. C'est ce que tu viens de dire, la loi du dimanche. But it's not an idea that I've conceived of. Mais ce n'était pas une idée donc, que j'ai conçue. It's one that you've just assented to, c'est une idée à laquelle tu as été d'accord. You've got to own it. Donc tu dois en être responsable. Unless you're saying nothing to do with me. À moins que tu dis que ça n'a rien à voir avec de faire avec moi. That's not what I'm saying. So you're ce n'est owning pas ce it, que then. Je dis. I wasn't wanting to claim it as my own conceived idea because it's the movement. Donc je ne voulais pas dire que c'était ma propre idée conçue parce que c'est le mouvement. I asked the question because October 22nd means different things for different people at different times. Je posais la question parce que le 22 octobre signifie différentes choses pour différentes personnes à différents moments. So the classic place we're going to normally put it is, as Sister Manuela says, Daniel 12:1.
L'endroit normal où on va le placer, comme Manuela l'a dit, c'est Daniel 12 ans. Which is the end of the investigative judgment. Qui est la fin du jugement investigatif. And all we're just doing is marking, putting a Millerite line and our line, and actually mean they're two different doors, but we just put them together. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met la ligne des Millerites et la nôtre en parallèle, et c'est deux portes différentes, mais on les met ensemble. Type et anti-type ou pas? Poetic license, more than anything. La licence pour la permission poétique. Because when if I put a shut door here. Parce que si je mets une porte fermée ici. And then I put a shut door here. Et ensuite ici. You think those doors are the same doors? Vous pensez que ces portes-là sont les mêmes? They look the same. Parce qu'elles sont similaires. But they're not the same doors. Mais elles ne sont pas les mêmes portes. One's a holy place door and one's a most holy place door. L'une c'est la porte du lieu saint et l'autre du lieu très saint. But just because we just put doors, we're so used to that now. Mais parce qu'on est tellement habitué à mettre portes maintenant. We don't sort of pause to think about it. On ne fait pas de pause pour y penser. Je pense que c'est ce que j'essaie de réconcilier. What exactly we're meaning? Qu'est-ce qu'on signifie exactement? It depends where. Ça dépend où. You put a shut door here. Tu mets une porte fermée ici. Or a shut door here. Ou là. Ou à minuit. Yeah, so you have to go through each one and work each one out because they mean slightly different things. Tu dois parcourir chacune et voir qu'est-ce que ça veut dire parce qu'elle veut dire des choses différentes, hein, légèrement. So when you were saying that there's a shut door when he comes out of the most holy place. Donc lorsque tu disais qu'il y a une porte fermée lorsqu'il sort du lieu très saint, that's that one, FTG, c'est celle-ci, fin du temps de grâce Daniel 12 ans, c'est plus en le 22 octobre alors. Well, I was just voicing what brother Eric said. Je redisais ce que Eric a dit. Eric says here, et dit qu'il a dit qu'ici, he goes to the bride's father, il va chez le père de l'épouse, and says, give me the bride, dit donne-moi l'épouse. And what he's done, et ce qu'il fait, he says, il dit, the bride's house isn't on earth. La maison de l'épouse isn't, n'est pas sur terre. Okay. It's in heaven. C'est au ciel. And he's just gone to her dad and says, can I have my wife? Et il a été chez son père, a dit, est-ce que je peux avoir ma femme? And he says, sure, take her. Et il dit, bien sûr, prends-la. So, whatever they're doing for 100 and nearly 200 years, donc, peu importe ce qu'ils font pendant plus de 100 ans, they're doing something. Ils font quelque chose. And then by the time he gets to here, et ensuite lorsqu'il arrive là, that's the door shut. C'est la porte qui est fermée. Is that his house that's shut? C'est sa maison à l'époux qui est fermée? To the bridegroom, yeah. So that's this shut door. Donc c'est celle-ci. Celle de l'époux qui est... This one here. Celle-ci. Donc ça veut dire quoi alors? Once you do that, une fois que tu fais cela, you're just on standard Adventist teaching. Tu es ensuite sur une compréhension adventiste normale. Jacob's time of trouble. Tu sors du sanctuaire, le temps de trouble de Jacob, bouc émissaire. Okay, so you're just no longer dealing, you're no longer having anything to do with the sanctuary. That's the donc tu n'as plus rien à voir avec ça, le sanctuaire. But you take the parable and run it this way. Mais tu prends cette parabole de cette manière. You can't tag Matthew 22 at the end of this now. Et tu ne peux pas mettre Matthieu 22 à la fin de ça. But Matthew 22. Mais Matthieu 22. Is tagged when that door shuts. Et placé lorsque cette porte se ferme. That's the normal way we understand that. C'est la manière normale dont on le comprend. Je pense que c'est de cette manière que j'ai un peu divergé quand j'ai parlé de la manne, quand j'en ai parlé. Because I saw it differently. Parce que j'ai vu de manière différente. So for 200 years, the bridegroom is going from her father's house to his house. Donc pendant 200 ans, l'époux va de la maison de l'épouse à la sienne. Did you read Ellen White's first vision? Est-ce que tu as lu la première vision d'Ellen White? Page 15. Page 15.
page 14. Yeah. Page 14. Isn't that what that parable's teaching? Est-ce que ce n'est pas ce que cette parabole enseigne dans la vision? What's that procession that's happening? C'est quoi cette procession qui se passe? Well, I have not read it. Mais tu connais la vision. I mean, we're on that path now, aren't we? On est sur ce chemin, n'est-ce pas là? The midnight cry is behind us, shining upon us. Le cri de minuit est derrière nous et brille tout le long du chemin. So we must be headed somewhere. We headed. Donc, on se dirige vers quoi? On avance vers quoi? À la maison de l'époux. The point is that her father's house. Le point c'est que la maison de son père is in heaven, est au ciel. But at the same time, her house is on earth. Mais en même temps, sa maison est sur terre. So how it goes? Donc comment est-ce que on réconcilie? We don't. Obviously, there is not a sequence here. It's two at the same time. Bien sûr, il n'y a pas de séquence ici. C'est tout au même moment. I've said this before, and I think it's true. J'ai dit ça auparavant et je pense que c'est vrai. Let me show you a Bible verse. Je vais montrer un verset biblique. If I can find it. Si je peux le trouver. Philippiens 2:5. Philippiens 2:5. We all know it. On le connaît tous. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous. Now, Ellen White will probably give you two or three definitions of what this verse means. Ellen White va peut-être vous donner deux ou trois définitions de ce que ce verset signifie. You can go to commentaries and they'll tell you what it means. On peut aller dans des commentaires et ils vont nous dire ce que cela signifie. And I'm sure they're all correct. Je suis sûre qu'ils sont tous corrects. You could go to Paul and ask him what it meant. On peut aller voir Paul et lui demander ce qu'il signifiait. For me. Pour moi. I'm saying that what this verse is saying. Pour moi, je dis que ce verset signifiait. Is that we need to think like God. C'est que nous devons penser comme Dieu. And the way we think like God. Et la manière dont nous pensons comme Dieu. Is simply line upon line. C'est tout simplement ligne sur ligne. At its most basic level. À son niveau le plus basique. We also need to get into his mind about how parables work. Mais nous devons également entrer dans son esprit par rapport à la manière dont les paraboles fonctionnent. And I think when we approach parables, we think about these like men, like human men, human Et beings. Lorsqu'on pense à ces paraboles, on y pense comme des hommes, hein, des êtres humains. And if you do that, they're always going to confuse you. Et si on fait cela, ça va toujours nous rendre confus. But we need to think about them in the framework how God does. Mais nous devons y penser dans le cadre auquel Dieu pense. I mean, just go to the parable of Lazarus and the rich man. Allez dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. I mean, it's a crazy parable. C'est une parabole folle. I mean, you think about the morality of that, how evil it is. À la moralité de cela, à quel point c'est mauvais. You've got this, I don't know if he's dead or alive. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. But he's in hell. Mais il est en enfer. You've got this cliff and Lazarus is looking down at him. Et il y a ce précipice et Lazare le regarde. And they're talking to each other, it's crazy. Et ils se parlent l'un à l'autre, c'est fou. So we want to get into the God's mind of how that works. And you know what we do? We just say, oh yeah, don't worry about it, it's all pretend. Donc on veut entrer dans l'esprit de Dieu pour savoir ce que ça veut dire et nous on dit, bah, t'inquiète pas, c'est juste, c'est prétendu, c'est pas vrai. And then we take parables like the ten virgins and we think that's really simple. Et ensuite on prend la parabole des dix vierges et on pense que c'est très simple. And I don't think it is. Et je ne pense pas que ça l'est. And so when we have this, is the bride's house on earth or is it in heaven? It's both. Et lorsqu'on dit ensuite, est-ce que la maison de l'épouse c'est au ciel ou sur la terre, c'est les deux. In fact, I don't know if you picked up what Brother Eric said, where is the bride's house anyway? Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez saisi ce que Eric a dit, la maison de l'épouse, elle est où de toute façon? Sorry? Sur la terre? No, the one in heaven. Non, celle au ciel. I think he was saying it's in the sanctuary. Je pense qu'il disait que c'est dans le sanctuaire. And where's his house? Et lui, sa maison, elle est où? Like it's all in the sanctuary. He's not even moving. C'est tout dans le sanctuaire, donc en fait, il se déplace pas. There's no geography. Il y a pas de géographie. There's no bride. Il y a pas d'épouse. And we're guests. The whole thing just breaks down if you're not careful. Et nous, on est des invités, donc tout s'écroule si on n'est pas attentif. So I think we need to really have this
flexibility of mind or let the mind of God be in you. Donc je pense qu'il nous faut avoir cette flexibilité d'esprit ou laisser l'esprit de Dieu être en nous. I think that's what the reform lines were supposed to do for us. Je pense que c'était ce que les lignes de réforme étaient censées faire pour nous. For many of us, they haven't done that. Et pour la plupart d'entre nous, elles ne l'ont pas fait. They haven't served the job function that they were supposed to. Elles n'ont pas eu le travail qu'elles étaient censées faire. Have we heard that story before? Avons-nous déjà entendu cette histoire auparavant? For sure. Bien sûr. Lambs. Des agneaux. The killing of them. Le fait de tuer les agneaux. Was supposed to teach us something. Était censé nous enseigner quelque chose. It was supposed to teach us how God thinks. Nous enseigner comment Dieu pense. But we think. Mais nous pensons. It's just some kind of substitution for Christ. Que c'est une sorte de substitut pour Christ. And the Jews don't even know why they're doing it. Et les Juifs ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils font cela. And so the Jews don't understand why they're doing these things, and we don't understand why we create reform lines. Donc les Juifs ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils font ces choses, et nous ne savons pas pourquoi nous créons des lignes de réforme. We think it's so that we can calculate dates. Nous pensons que c'est pour pouvoir avec ça on peut calculer des dates. And see how long we can mess around for before we have to stop. Et savoir combien de temps est-ce qu'on peut on peut faire ce qui est mal jusqu'à ce que le temps s'arrête. And that's why most of us are going to be doomed. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous seront condamnés. We're not going to make it. On ne va pas réussir. To the end, even though we're jusqu'à la fin. On the very precipice of eternity. Même si on est au seuil, au précipice de l'éternité. It's because we haven't got into Christ's mind. C'est parce que nous ne sommes pas entrés dans l'esprit du Christ. And when we start looking at these things, they become so complex, we just think, this is crazy, why do we even do this? Et lorsque nous arrivons dans ces choses, nous disons que c'est tellement fou, on n'y arrive pas, on dit pourquoi est-ce qu'on le fait même? Some people get bored. Certaines personnes sont ennuyées. Some people just shut down mentally. Certaines personnes se ferment mentalement. And you know, I wonder why we do that. Et je me demande pourquoi nous faisons cela. When we've already been warned. Alors que nous avons déjà été avertis. If you go to Habakkuk. Si vous allez dans Habakkuk. Sorry, Ezekiel, not Habakkuk. Ezekiel. Dans Ezekiel plutôt. And if you check the visions, he has a number of visions. Et si vous regardez les visions, il en a un certain nombre. And he's pretty consistent about giving you the dates when he has those visions. Il est assez cohérent, consistant. Il nous donne les dates où il a eu ses visions. The vision of wheels within wheels. La vision des roues dans les roues. When is he given that? Il la reçoit quand? Sorry? Cinquième jour du quatrième mois? Minuit, je sais pas. Cinquième jour du quatrième mois. So he's given this in July. Il la reçoit cela en juillet. I'm arguing July is 2014. J'argumente que juillet c'est 2014. You may have noticed. Vous avez peut-être remarqué. Since 2014. Que depuis 2014. Quoting a friend of mine. En citant un de mes amis. He says before 2014. Il dit avant 2014. This message was designed to bring us together. Ce message était censé nous rassembler. To bring you into the household of faith, if you like. Nous amener dans la maison de foi, si vous voulez. After 2014, après 2014, this message is designed to destroy you and kick you out. Ce message est conçu pour vous détruire, vous faire sortir. And only the brave can remain. Et seuls les braves peuvent rester. So when things suddenly become really difficult and complicated, lorsque les choses deviennent soudainement compliquées et difficiles, you start getting bored or start shutting down. Qu'on commence à être ennuyé ou alors à fermer mentalement. I'm saying it was supposed to be like that. Je dis c'était censé être comme ça. Because God's testing who's going to be faithful enough, strong enough. Parce que Dieu teste qui sera assez fidèle, qui sera assez fort. Who will take the mind of Christ. Qui prendra l'esprit de Christ. And no matter how difficult it is, they will wrestle with these parables. Et peu importe la difficulté de cela, ils lutteront avec ces paraboles. You'll be surprised how few people are going to make that. Vous serez surpris du nombre du peu de personnes qui le font. Because we're still stuck. Parce que nous sommes encore bloqués in the following mindset. Dans l'esprit suivant. 1798, temps de la fin. 1818, increase of knowledge and we put a dotted line. 1818, accroissement de la connaissance et on met des petits points qui montent. 1833, it's just all mechanical. 1833, c'est mécanique. You start asking people probing questions and their brain hurts. Et on commence à poser à des gens des questions qui sont évidentes et ça leur fait mal au cerveau.
And I'm saying your brain's hurting. Et je vous dis ça vous fait mal au cerveau. Because you don't have the mind of Christ. Parce que vous n'avez pas l'esprit de Christ. And that's what this pain is meant to produce. Et cette douleur est censée produire cela. And we were warned about this. Et nous avons été avertis à ce sujet. The wheels within wheels vision comes in 2014. La vision roue dans les roues vient en 2014. And people were struggling with Karaite reckoning then. Et les gens luttaient avec le calendrier Karaite à ce moment-là. And we thought this is the new complex thing. Et on pensait c'était la nouvelle chose complexe. And we always like run back to the parable of the 10 virgins has been fulfilled and will be fulfilled to the very letter. Donc on est retourné à la parabole des 10 vierges a été accomplie et sera accomplie à la lettre même. You just start looking simply at just ask simple questions and you realize we don't even understand the parable. Et on commence à poser des questions simples et on se rend compte qu'on ne comprend même pas la parabole. So you should all be warned. Donc vous devriez tous être avertis. If you find this kind of stuff boring. Si vous trouvez cela ennuyeux. Or so difficult that you just want to not participate. Ou tellement difficile que vous ne voulez pas participer. And I'm not talking about anybody. There's hundreds of people watching these videos. Et je ne parle pas à quiconque. Il y a des centaines de personnes qui regardent ces vidéos. This is a warning sign. C'est un signe d'avertissement. About your relationship with God. À propos de votre relation avec Dieu. And the state of your mind. Et l'état de votre esprit. And there's pretty convincing evidence. Il y a des preuves plutôt convaincantes. That we are either at or approaching the loud cry. Que nous sommes soit au grand cri ou nous y approchons. Which some people call PBM. Que certaines personnes appellent PAM. Or midnight cry. Ou cri de minuit. Or August. Ou août. So to respond to Brother Vadim's question, it's not easy. Pour répondre à la question de Vadim, ce n'est pas simple. I don't claim to have all the answers. Et je ne déclare pas avoir toutes les réponses. But we need to fix these things in our minds and meditate upon them and not get distressed when they're too difficult. Mais nous devons garder ces choses à l'esprit, méditer sur elles, les contempler et ne pas être effrayés quand ces choses sont difficiles. You agree, Sister Chimène? Tu es d'accord avec Chimène? There is a hand. Who said? Oh, sorry, yes? This analysis is quite interesting. But I think we have been led in that sense. To be conditioned in like a certain pattern. Un événement. And to put in each waymark an event. Et un seul événement. And only one event. Quand maintenant on nous dit qu'il faut réfléchir avec l'esprit de Christ. So when now we are told that we are to think with the mind of Christ. Peut-être que je me trompe. Hein? Perhaps I'm wrong. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a quitté l'église nominale en nous disant qu'il fallait beaucoup désapprendre pour réapprendre. But I think we left the nominal church saying we have many things to unlearn and many things to learn. Et que aujourd'hui dans le mouvement, and that today in the movement, on doit encore faire la même chose. We have again to do the same thing. Désapprendre pour réapprendre. Unlearn to learn. I think what we need to unlearn. Je pense que ce qu'il nous faut désapprendre. Is following weak, erring men. C'est suivre des hommes faibles et errants. And rather follow angels. Et plutôt suivre des anges. Because it's my experience. Parce que c'est mon expérience. That there is so much truth. Qu'il y a tant de vérité. In the studies or the presentations that have been done over the last 29 years. Dans les études et les présentations qui ont été faites pendant les 29 dernières années. And people don't go back into these studies and actually see them for what they are. Et les gens ne rentrent pas reviennent pas dans ces études pour les voir telles qu'elles sont. I would challenge us. Je veux nous défier. You know, if you go back into presentations that are only even just 2 or 3 years old. Si vous retournez dans des présentations qui ont 2 ou 3 ans même. All the things that we're mentioning now, you'll see them. You call it peppered or scattered throughout these presentations. If you were willing to look. Toutes les choses que nous enseignons, vous les verrez dispersées dans ces différentes présentations si vous voulez bien les voir. So. The things that we have to unlearn is not bad things that this movement taught us. Donc les choses qu'il nous faut désapprendre, ce ne sont pas des mauvaises choses que le mouvement nous a appris. We still haven't got rid of the baggage from Adventism. Mais on ne s'est pas encore débarrassé du bagage de l'adventisme.
It's very quiet. C'est très silencieux. Okay, I want to go back to Great Controversy. Je veux retourner dans la tragédie des siècles. Unless anybody's got any comment. À moins que quelqu'un ait un commentaire. We've read from 393 paragraph 4. Donc on a lu 393 paragraphe 4, chapitre 22. Yeah, so I want to go on to now 398. Maintenant, on va aller à 398. Hein. Paragraph 2. Paragraphe 2. Paragraph 2. 398.2. Read the paragraph. Alors, ce n'était pas la proclamation du deuxième avènement qui causa le fanatisme et la division. Ceux-ci apparurent en été 1844, lorsque les adventistes étaient dans un état de doute et de perplexité concernant leur position réelle. La prédication du message du premier ange et du cri de minuit tendirent à réprimer directement le fanatisme et la dissension. Ceux qui participèrent dans ces événements solennels étaient en harmonie. Leur cœur était rempli d'amour pour l'un et l'autre et pour Jésus, et ils s'attendaient bientôt à le voir. La foi unique, l'espérance bénie unique, les élevait au-dessus du contrôle de toute influence humaine et se trouvait être un bouclier contre les assauts de Satan. So it talks about these fanatics. Donc il est parlé de ces fanatiques. And it was not the proclamation of the second advent that causes fanaticism. Et ce n'était pas la proclamation du second avènement qui a causé le fanatisme. What is the proclamation of the second advent? C'est quoi la proclamation du second avènement? Behold, the bridegroom cometh. Voici l'époux vient. Brother Jean-Marie. Jean-Marie. Oh, can you see it? Can you highlight what I just read? Donc c'est la première phrase. Proclamation of the second advent. C'est 430.2 en français. Can you read that? The first. Can you repeat the question? Yes. This proclamation of the second advent. What is that? Il est dit donc là la proclamation de la seconde venue du Christ, c'est quoi ça? Sister Brittany said it's the midnight cry. Brittany a dit que c'était le cri de minuit. I would say the same. Sister Sylvia? Sylvia? Same. Sister Muriel? Muriel? Have a think, Sister Beatrice. Réfléchis-y, Béatrice. I'm thinking. Sister Rosemary. Rosemary. C'est quoi la proclamation du second avènement? I ask the question again. C'est ça la question. Sister Rosemary. Rosemary. Oh, sorry, no, I mean Sister Muriel. Sorry. Ah, Muriel, pardon. What time? À quel moment, à quelle époque, à quel... During the summer of 44. Brother Eric. Eric. I was not thinking of the midnight cry, but rather the message before the midnight cry. Which is? Qui est? The message Miller preached, the first angel message.
Okay, so I think this is the first angel's message. Donc je pense que là c'est le message du premier ange. It was not the first angel's message that causes fanaticism and division. Ce n'est pas le message du premier ange qui a causé le fanatisme et la division. Because when the first angel's message was doing its work, there was no fanaticism nor division. Parce que lorsque le message du premier ange faisait son œuvre, il n'y avait pas de fanatisme ni de division. These appeared in the summer of 1844. Ceci est apparu en été 1844. The we mark. Nous marquons that it begins in spring, que ça commence au printemps. She's mentioning summer. Et là, elle mentionne l'été. So we'd have to work out why she's saying summer and we're saying spring. Donc on devrait comprendre pourquoi est-ce qu'elle dit été et nous disons printemps. And I think she's leading us to a specific point that she wants to make, which is July, the midnight cry. Et je pense qu'elle veut nous conduire à un point spécial qu'elle veut faire, juillet, le cri de minuit. These appeared in the summer of 1844 when Adventists were in a state of doubt and perplexity concerning their real position. Ceci est apparu en été 1844 quand les Adventistes étaient dans un état de doute et de perplexité concernant leur position réelle. So there are two things. Donc il y a deux choses. The preaching of the first angel's message and the midnight cry directly repressed or suppressed fanaticism. La prédication du message du premier ange et du cri de minuit réprimèrent ou supprimèrent directement le fanatisme. Those who participated in these solemn movements were in harmony. Ceux qui participèrent à ces mouvements solennels étaient en harmonie. How many movements are there, Sister Tiffany? Il y a combien de mouvements, Tiffany? Do you know where we are? Tu sais où on est? Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Mais elle parle du premier et du deuxième? Can you just a little bit louder? Is she talking about the first and the second? I don't know, you tell me. Est-ce qu'elle parle du premier ou deuxième? Je ne sais pas, dis-moi. Is it more than one movement? Est-ce qu'il y a plus d'un mouvement? Yes, the way she's explaining it. La manière dont elle l'explique, oui. We all know there's only one movement. You're correct. Okay. On sait qu'il n'y a qu'un mouvement. Tu as raison. But she wants to show us something. Mais elle veut nous montrer quelque chose. So she's saying there's more than one movement. Donc elle dit qu'il y a plus d'un mouvement. And I can't remember if my question was how many or what were they. Je me souviens plus si ma question c'était combien de mouvements il y avait ou c'était lesquels étaient-ils. Okay, how many? Combien? So there's two movements. Je pense qu'elle parle de deux ici, donc il y en a deux. And what's the first one? Et c'est quoi le premier? Le premier ange. And the second one. Et le deuxième? Midnight cry. Le cri de minuit. Okay with that? On est d'accord avec ça? So the first angel's message movement. Donc le mouvement du message du premier ange. Didn't cause any problems. N'a causé aucun problème. The midnight cry movement doesn't cause any problems. Le mouvement du cri de minuit ne cause aucun problème. Now the first angel's message. Le message du premier ange maintenant. Is what? C'est quoi? It's a leading question because I don't want to... What is the first angel's message? Donc c'est une question que je dirige parce que c'est... C'est quoi le message du premier ange? Brother Eric told us a minute ago. Eric nous l'a dit il y a un moment. Christ's second coming? Christ's second coming. Finish the sentence. La seconde venue de Christ. Finis la phrase. In? En? October 22nd? In April? In 1843. En 1843. That's the first angel's message, isn't it? C'est le message du premier ange, n'est-ce pas? We read that. On a lu ça. When James White, I think it was one of these people that we read. Quand James White, ou une de ces personnes qu'on a lu. How did they phrase it? Because I've highlighted that. Comment est-ce qu'ils l'ont décrit parce que j'ai souligné cela? They said it was the something of 43. Ils ont dit que c'était le quelque chose de 43. Sister Chimène? Chimène? Je ne sais pas. Vadim? Vadim? Sister Elisa? I don't remember neither. Brother Eric, you remember? Le cri de minuit? They didn't say midnight, they just said cry, didn't they? They said the cry of 1843. Ah, ils disaient le cri de 1843. Who, someone could find out who said that. Who? I thought he said cry. Non, je crois que ça disait cri. Dans le texte qu'on a lu. We wait long, he said.
Okay, we'll find it. The presence can find. Cry of crime. No, okay, don't worry. So, whether it's the alarm or the cry. Que ce soit l'alarme ou le cri. Sorry? Was it saying in English? Just read the bit that says in English. The cry. Okay, so the. So, this is cry. The cry of 43. Le cri de 43. Is what movement, Sister Tiffany? C'est quel mouvement, Tiffany? First angel. Premier ange. So you can expect, you can conceptualize it in different ways. The first cry was the first angel's message, and the second cry. On peut le conceptualiser de différentes manières. Le premier cri, c'est le message du premier ange, et le deuxième. It's not the second angel's message. Ce n'est pas le message du second ange. It's the midnight cry. Du deuxième ange, c'est le cri de minuit. This opens a whole new set of problems. Cela présente tout un autre sujet de problème. Because I'm sure most of us. Parce que je suis sûr que la plupart d'entre nous. Are used to conceptualizing. Sont habitués à conceptualiser. Second angel's message and the empowerment of the second angel. Le message du deuxième ange et l'amplification du deuxième ange. And you just sort of lump them together. Et on les combine. I don't mean in time. I know April and July, April and August. Je ne veux pas dire au niveau du temps parce que je sais que c'est avril et août. But the more you look, the more you'll see. Mais plus on regarde, plus on voit. That the midnight cry and the second angel have a disconnect between them. Que le cri le deuxième ange et le cri de minuit sont déconnectés, ne sont pas connectés. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Can you repeat what you said? The midnight cry and the second angel have a disconnect between them. Le deuxième ange et le cri de minuit ont sont déconnectés entre eux. Let me step back. Je reviens un peu en arrière. It depends who you ask and how you approach the problem. Tout dépend à qui vous demandez et comment vous abordez le problème. When we want to approach the problem, we want to call it 2A, 2E. Lorsqu'on aborde le problème, on veut l'appeler 2A et 2AA. Because we have an agenda. Parce que nous avons un agenda. And I'm not saying our agenda is wrong, I'm saying our agenda is correct. Et je ne dis pas que notre agenda est faux, mais il est correct. But there's another agenda. Mais il y en a un autre. Another way of looking at it. Une autre manière de regarder à ça. Which is the second angel and the midnight cry. Qui est le deuxième ange et le cri de minuit. When you look at it from that perspective, they're different, they're not the same thing. Et lorsque vous le regardez de cette perspective, eh bien ils sont différents, ce n'est pas la même chose. They're almost not connected. Ils ne sont presque pas connectés. Second angel says. Le deuxième ange dit. You're lost, you're going to die. Vous êtes perdu, vous allez mourir. Midnight cry says what? Le cri de minuit dit quoi? Jesus is coming. Jésus revient. They're not even the same message. Ce n'est même pas le même message. Now we say one's 2A, one's 2E. Nous disons l'un c'est 2A, l'autre c'est 2AA. Which I'm not denying. Et je ne renie pas cela. I'm just saying, when you see it from this perspective, they look at it differently. Je dis que lorsqu'on regarde à cela d'après cette perspective, eh bien on le voit différemment. Why is this important to understand? Pourquoi est-ce que c'est important à comprendre? It's because when we approach Revelation 18. Parce que lorsqu'on aborde Apocalypse 18. In this history here. Dans cette histoire ici. It affects how we approach that angel coming down. Cela affecte comment est-ce qu'on regarde cet ange qui descend. And we spent a number of lessons. Passé un certain nombre de leçons. Early writings 277. Premiers écrits 277. Explaining that relationship and laying it out. Hopefully you remember. Expliquer cette relation et à la présenter. J'espère que vous en souvenez. For those of us who don't remember. Pour ceux d'entre nous qui ne se souviennent pas. Refresh your mind. Je vais rafraîchir vos esprits. Sunday law. Loi du dimanche. Loud cry. Grand cri. And the close of probation. Et fin du temps de grâce. We said. Nous avons dit. The third angel's message has been running through history. Le message du troisième ange a parcouru l'histoire. At the very moment, the right moment. Au bon moment. This angel comes down. Cet ange descend. 18, 1 to 3. 18, 1 à 3. And begins to empower this message. Et commence à mettre en puissance ce message. In a special way. D'une manière spéciale. As it begins to swell. Alors qu'il commence à s'amplifier. So there's this swelling. Donc il y a cette amplification. And then it says. Et ensuite il est dit. Angels come down. Que des anges descendent. In the plural. Au pluriel. And when they come down. Et lorsqu'ils descendent.
They don't say Babylon is fallen, they say come out of her my people. Ils ne disent pas Babylone est tombée, ils disent sortez du milieu d'elle mon peuple. And then this is an additional work. Et ensuite c'est une œuvre additionnelle. I want us to see. Je veux que nous voyons. This is the second angel and this is not the second angel. It's angels in the plural. Là c'est le deuxième ange, mais après ce n'est pas le deuxième ange, c'est des anges au pluriel. But when we conceptualize this, mais lorsque nous conceptualisons cela, and we don't make that Sunday law, et que ça on ne fait pas la loi du dimanche. Does everybody remember that? Est-ce que tout le monde se souvient de ça d'abord? Yeah. You should remember because we spent a lot of time. If we make this April, si vous vous souvenez parce qu'on a passé beaucoup de temps, si on fait ça avril. And we make that Revelation 14. Et ça, Apocalypse 14. And then we make that the midnight cry. Et ça, le cri de minuit. We end up saying this is 2A and 2E. On dit que ça, c'est 2A et 2A. So sometimes we call it the empowerment of the second. Sometimes we're saying it's totally different angels. Parfois, on dit que c'est l'amplification du de l'ange, et parfois on dit que c'est des anges totalement différents. Different message. Un message différent. Not connected. Qui n'est pas connecté. Obviously, there is obviously some connection, but it's not an obvious one. Donc, bien sûr, il y a une connexion, mais elle n'est pas claire. This is another example. C'est un autre exemple. It's okay. This is another example. C'est un autre exemple. Where it's not that we're wrong, but what I'm saying is the way we approach it is different to how Ellen White approaches it. Ce n'est pas que nous avons tort, mais je dis que la manière dont on l'aborde est différente de la manière dont Ellen White l'aborde. Because she's just turned the Millerite movement into two separate independent movements. Parce qu'elle vient de faire le mouvement Millerite en, elle vient de séparer en deux mouvements séparés. And they're sandwiching what? Et there's what's sandwiched between them? Et qu'est-ce qui est au between milieu entre ces deux mouvements? Sister Sophie. Sophie. Deuxième ange. In her, what we just read. Dans ce qu'on vient de dire. What's sandwiched between these two movements? Qu'est-ce qui se trouve entre ces deux mouvements? Sorry? Temps d'attente. Matthieu 25. Someone said something. Quelqu'un a dit quelque chose. Who spoke before that? Qui a parlé? She did? I thought you said a different word. Je dis les dix vierges. Doubt and perplexity. Okay, I was going to go. Moi, j'allais dire. Fanaticism. Le fanatisme. I thought that's what you said. Je croyais que c'est ce que tu avais dit. Fanaticism. No, I didn't. Okay, doesn't matter. So, we can draw the Millerite movement. On pourrait donc dessiner le mouvement Millerite. Like this. Comme ça. Two movements. Deux mouvements. This one is. Là c'est. First angel's message. Premier ange. This one is. Et là c'est. Midnight cry. Cri de minuit. Midnight cry is not a point. Le cri de minuit ce n'est pas un point. It's a movement. C'est un mouvement. It's a period of time. C'est une période de temps. July, juillet, stroke August to October. Juillet slash août jusqu'en octobre. 1798 to April 44. Jusqu'en avril 44. And in between them is what? Et entre il y a quoi? Fanaticism. Le fanatisme. Because this move, this message here, parce que ce message ici, has power to do what? A la puissance de faire quoi? Changer les cœurs. To change hearts. Changer les cœurs. To unify, to change hearts. Unir, changer les cœurs. And the unification. Et l'unification. Is so strong. Est tellement forte. That if anybody's got a variant view. Que si quelqu'un a une vue différente. It just gets wiped out. Elle est enlevée. And what is the backbone or the driving force behind this movement? Et c'est quoi la colonne vertébrale derrière ce mouvement? One word. En un mot. Sorry? Time. Le temps. And it's not going to surprise us. Et ça ne va pas nous surprendre. That what's happening here. Qu'est-ce qui se passe ici? Snow is saying. Snow dit. I know when the bridegroom is coming. Je sais quand est-ce que l'époux arrive. Which is time. Qui est le temps. And we read this. Et nous avons lu cela. That they wake up on time. Qui se réveille à temps. And the fanaticism is that. They wake up on time. They slumber on time.
Ils dorment sur le temps. So the tarrying time, donc le temps d'attente, the time of fanaticism, le temps de fanatisme, is where you don't have any time. C'est lorsqu'on n'a pas de temps. Didn't say that very well. The J'ai period of fanaticism. La période de fanatisme. Is where you don't have time. C'est quand lorsqu'on n'a pas de temps. No time produces fanaticism. Quand il n'y a pas de temps, ça produit le fanatisme. Let's simply define what fanaticism is. On va définir simplement c'est quoi le fanatisme. Because the word it has an ugly connotation to it, I think. Parce que le mot, je pense qu'il en il y a une connotation qui n'est pas belle. I'm going to suggest. Je vais suggérer. Fanaticism. Que le fanatisme. Is just variant views. C'est des vues différentes. You think one thing, I think another thing. Tu penses une chose, moi une autre. It's as simple as that. C'est aussi simple que cela. If we can make it sort of like a neutral thing. Si on peut en faire une chose neutre. There were no variant views here. Il n'y avait pas de vues différentes ici. Especially after 40. Particulièrement après 1840. It's confirmed. C'est confirmé. There is no dissident voices. Il n'y a pas de voix dissidente. Again after the midnight cry there isn't. Et de nouveau après le cri de minuit, il n'y en a pas. Now we know that's a simplification. Nous savons que c'est simplifié. Because remember. Parce que souvenez-vous. In August. En août. You still got leaders who are arguing. On a encore des dirigeants qui argumentent. Remember we read that. Souvenez-vous, on a lu cela. They're saying the snow people are the fanatics because they're keeping time now. Ceux qui suivent Snow sont des fanatiques parce qu'ils gardent le temps maintenant. And we should have learned our lesson from this one. Et on aurait dû apprendre notre leçon de cela. And we know that there's fanaticism in here. Et nous savons qu'il y a du fanatisme ici. But broadly speaking, this is a correct model. Mais en parlant largement, c'est un modèle correct. A simple overview of Millerite history. Une révision simple de l'histoire des Millerites. And I'm not just inventing this. Et je n'invente pas seulement cela. Because I've got some agenda on time. Parce que j'ai un agenda sur le temps. This has been understood for over 12 months. Cela a été compris pendant au moins 12 mois. It's not a new understanding. This two movement understanding. Ce n'est pas quelque chose une nouvelle compréhension de ces deux cette compréhension des deux mouvements. All that we're seeing now. Tout ce que nous voyons maintenant. Is the relevance that time had. C'est l'importance que le temps a. To control people. Pour contrôler les gens. The bad people. Les mauvais. The fanatics. Les fanatiques. So when we talk about the midnight cry. Donc lorsque nous parlons du cri de minuit. PBM if you like. La PAM si vous voulez. This thing that we're all waiting for. Cette chose que nous attendons tous. And we're waiting for us all to come together on some unified point. Et nous nous attendons à entrer à être tous en accord sur un point unique unifié. The one thing that I think we can take from the Millerite history. Je pense que la chose que nous pouvons retirer de l'histoire des Millerites. Is that time was the unifying element in their message. C'est que c'était le temps qui a unifié leur message. Not event. Pas les événements. It's the time. C'est le temps. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We want to give you praise and thanks. Nous voulons te donner louange et remerciements. We are so undeserving of your goodness. Nous sommes tellement indignes de ta bonté. As we enter into the sacred hours of the Sabbath, alors que nous entrons dans les heures sacrées du sabbat, we want to ask that you would give us a rich blessing. Nous voulons te demander de nous donner une bénédiction riche. Our last Sabbath together. Notre dernier sabbat ensemble. And Lord, as we consider the implications of what we have studied this evening. Et Seigneur, alors que nous étudions les implications, pensons aux implications de ce que nous avons étudié ce soir. The importance of having the mind of Christ. L'importance d'avoir l'esprit de Christ. How easy it is for men, for human beings to make mistakes. Et combien il est facile pour des hommes, des êtres humains de faire des erreurs. Because we use our own human wisdom and reasoning. Parce que nous utilisons notre propre raisonnement et compréhension humaine. And the danger of following these things. Et le danger de suivre ces choses. We thank you. Nous te remercions. Like our forefathers. Comme nos pères. You are teaching us things before it's too late. Tu nous enseignes des choses avant qu'il ne soit trop tard. As we consider the subject of these two movements, et alors que nous considérons le sujet de ces deux mouvements, that had the ability to repress fanaticism and dissension, qui avaient la capacité de réprimer le fanatisme et la dissension, because they had a message based upon time, parce qu'ils avaient un message basé sur le temps, help us to understand the implications of that. Aide-nous à comprendre les implications de cela. Not only as a movement, but upon us individually. Non seulement en tant que mouvement, mais pour nous individuellement. We ask and pray for a blessing in Jesus' name. Nous demandons et prions pour une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen.